qu'effectivement, quand nous parlons de la mort, entre guillemets, finalement, de tous les témoignages que l'on peut recueillir, on se rend compte que on fait apparaître, par exemple, des souvenirs. On fait apparaître les merveilleux moments vécus avec ces êtres-là qui sont en train de passer dans une autre situation, dans un autre moment. Donc, finalement, on parle de quelque chose qui est extrêmement vivant. Et puis, d'une manière aussi incroyable, c'est que les conversations cessent d'être superficielles. Il y en a toujours un peu, mais en général, on va plus à l'intérieur. Et finalement, on s'intéresse à la personne d'une manière différente, parce que là, on se dit, mais le temps qui nous reste est court, et donc parlons-nous des vraies choses. Pourquoi attendre ces moments-là pour parler des vraies choses, c'est-à-dire des choses profondes finalement, des choses qui font que nous vivons, qui font que nous sommes là.